Ni le prod. Ce dimanche 26 août 2018, suite du triplette national pétanque, troisième du nom, organisé par la boule usécienne, son président Jean-Michel Bagnuls et son équipe. Nous suivons les huitièmes, quart, demi, finale et remise du challenge. 161 équipes en course au titre. L'équipe 80, Pantin Flora, contre la 64, L'équipe 119, Cap Martin Philippe, contre la 540, partie de Hubert, au jeu numéro 9. L'équipe 19, Alassane Joël, contre la 70, Chevigny Farid, au jeu 24. L'équipe Rousseau Flora, 53, contre la 51, dans la vie Marc, au jeu 22. Et la dernière, 123, Captarin Frédéric, contre la 102, Jiménez Bruno, au jeu 26. Il est 9h, début de la compétition. Bravo Bruno, bravo, super. Allez, c'est chaud. Ah, c'est bien Bruno. Bien joué Zaïd. Bravo mon fils. Bien joué. Excusez-moi les gars. Oh.
Ah, David. Allez, David. Fais-le le mettre. Va nous prendre, David. Allez, David. Voilà. Oui. Lâche pas ton vélo après ça parce qu'il va falloir qu'on les mette là, les gradins. Sinon, on va te le mettre à la poubelle, ton vélo. Thank you.
Ah, ça va, je suis long. Bravo. Désolé les gars. C'est pas grave. Désolé. Non. Je prends juste un rat de la chaîne. Je le joue par en bas, si je touche à rien, je rate par deux, je tire à deux. Ah putain, ça va. Voilà, tournez dessus, vite. Entre les deux, moyen. Bravo. L'équipe 139, Donadille contre la 123, Cantarelle. Yeah.
Oui, c'est bien. Bien, super bien. Bien, super bien. Bravo, nous verrons bien. Ouais, Patrick, ouais, Patrick, allez, 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 Patrick, fais un petit effort. L'équipe 64 Heredia Sébastien contre la 32 Anton Jonathan au jeu 6. Thank you.
jeune. Bravo. Et l'équipe 147, Sarnelli Florian, contre la 19, Malatesta Joël, au jeu numéro 4. Les équipes Denis Chapelier contre Marcille Hubert, terrain numéro 2. Bien, Denis. Allez. Bravo. Bien, mais pour bien. Allez, Nico. Voilà.
Bravo, bien. Ah, Stéphane. Ah, Stéphane. Ah, bravo. Ah, si je vous plaisir, petit peu. Ah, mon cher, ah, Didier. Alors on appelle l'équipe 19, l'équipe 12, l'équipe 123 et l'équipe 64. Depuis hier, 10h, vous arbitrez tous les deux à un binôme, monsieur Gérard Bonamour et monsieur Rive Daniel. Rive Daniel, ça s'est bien passé. Oui, nous avons commencé à partir de 10h. Nous avons eu 161 équipes, pour l'instant tout s'est bien déroulé. Au stade des demi-finales et quarts de finale, vous avez quelques recommandations peut-être pour... Il suffit que, donc j'ai remarqué que dans la région du 30, donc, il y a quelques petites fautes minimes. Comme jouer en dehors du terrain, tout ça, bon, tous les joueurs le savent, c'est toujours des petits rappels. Et je pense que ça va bien se passer par la suite. Okay. Bien vous, monsieur Bonamour, régional de l'Étape. Hein, en même temps, vous êtes président de la Boule Passion. Oui. Que vous pensez vous aussi comme monsieur. Ah oui, c'est quelques fautes. Le petit souci, c'est que je connais beaucoup de joueurs. Ouais. Donc c'est.
ça peut être un avantage, mais c'est souvent un désavantage. Oui, donc il faut être encore plus vigilant. Ouais. Plus vigilant et plus pédagogue. Une main, un gant de velours. Voilà. Il ne faut pas sortir la cravache ni, non. Tout à fait, oui. Ni les griffes. Bien. Merci beaucoup. Merci, mon père. Équipe qui se sont qualifiées avec donc brio en demi-finale et peut-être pour certains en finale. La boule usécienne se réjouit d'avoir produit, je crois, une qualité d'accueil au niveau de toutes les équipes qu'on a pu avoir. 161 équipes ont été donc présentes à ce national. Pour tous ceux qui disaient que le national ne vivrait pas, je crois qu'il est en train de prendre ses lettres de noblesse et que sur USES, et que bientôt nous aurons encore un national plus important, surtout l'année prochaine, je l'espère, continuer à présenter un spectacle comme ça chaque année, avec les équipes qui se sont qualifiées et qui ont montré toutes les qualités, non seulement donc de présence, puisqu'ils ont été là pendant deux jours, mais en même temps au niveau qualité jeu. Et c'est ce qu'ils vont essayer de développer là, cet après-midi, devant vous. Donc je les remercie d'être là et de jouer surtout pour le plaisir et pour le jeu et de nous régaler. Voilà, donc je laisse la parole maintenant au vice-président du comité qui va faire le tirage. Je vous remercie messieurs et bon après-midi pour vous tous. Alors là c'est le... Tu donneras les cartons. Est-ce que pour la finale, on fait comme l'an dernier. Ça c'est le... Bonne partie à tous. Les deux finalistes seront invités gratuitement au niveau du national. Et sur le terrain B, donc c'est l'équipe 64 Heredia Sébastien contre l'équipe 12 Chapelier Denis. Allez, bonne partie. Viens tirer, viens. Bien, bien, bravo. Bien, Esther, bravo. Ça va. Donc c'est l'équipe 19 Malatesta Joël contre l'équipe 123 Cantarel Frédéric. Thank you.
Monsieur. Ah mon Dieu. Tu es comme moi, hein, plus qu'il est. Bravo Gilbert, bien. Allez, bon joueur pour moi. Allez, tout bien. Bravo. Bravo, bien joué. Bien joué, Jo. Bien. Allez, Gilbert. Bravo. Bien, bien. Bravo, c'est un bon homme.
On y repart. Oh. Bravo. Bravo, super. Il a gagné au moins. Il a peut-être gagné, je sais pas, mais il est là. Et Gilbert, oui, papa, oui. Quand même, Patrick, ce match-là. Ouais, voilà. Je crois que c'est Chapoli qui a 5. Non, c'est les bleus qui ont 5. Allez, Denis. Allez, Denis. Tiens-moi. Efficacité. 7-4 au profit de Denis Chapelier. Facile. Non, ça joue au bout. Voilà, voilà. On sera tout ça. On sera en moyenne. Allez, mon homme. Allez, mon Nico. Bien, bien, bien. Bien Gordo, bravo. Bien, bravo. Sauter. Hein? Cherche derrière. Cherche derrière. Cherche derrière.
Bravo, petit Brian. Bien. Bravo, bien. Bien, Gordo, bravo. Thank you.
Bravo. Quand on est parti, ça tourne vite. Hein. Oui. Ah, si c'est où tu viens. Bien, mon homme. Bien, mon homme. Allez, Patrick, allez, Patrick, ça va. Allez, Patrick. Bien, Patrick. Gagné ? Voilà, on a gagné, oui, quand même.
que jamais je vais prendre le machin. Denis Chapelier défait 13-9. Oh là-bas, oh là-bas. Oui, deux, ça fait 12 à 12 hein. 12 à 12, allez. Bravo, Patrick. Ah, c'est ce bon homme. Allez. Quand il faut le faire. Ah, j'y vais. Pendant la partie, on a fait quand même. Malatesta 13, Cantarelle 9. Mesdames, messieurs, donc un niboliste, vous venez d'assister aux deux demi-finales.
Tu vois la qualification donc de Eridia Sébastien, Maï Michael et Maï Briand. Et la deuxième équipe, Joël, Baptiste André et Hubert Jérémy. L'heure arrive de voir évoluer donc la finale. Donc pour que vous soyez un peu au clair au niveau des équipes, je vais vous les présenter. Mais tout d'abord, nous avons la chance d'avoir le vice-président du comité du Gard qui est en fonction de responsable de ce national. Donc voilà, j'espère que Alain, tu peux t'approcher et donc tu pourras le dire. Voilà, le vice-président. 161 équipes et plus, dans la mesure où on a loupé quand même quelques inscriptions. Et donc je suis très heureux, très content pour assumer ce genre d'événement. Je vais passer le micro à Alain, ou alors peut-être on continue le protocole à faire entrer, puis tu diras un mot par la suite, Alain. Nous allons continuer par les deux arbitres, l'arbitre principal, monsieur Rive Daniel, qui vient de l'Aude. Et qui a su mettre en place toute la réglementation au niveau d'un concours national. Donc pour ça, je lui sais gré. Et il a su mettre en place surtout la communication. Monsieur Benamour qui vient donc de Nîmes. Et il y avait aussi deux autres arbitres qui ne sont pas venus aujourd'hui. Donc il y avait Robert Vérune et Aline Maillard. Donc voilà, j'avais opté pour cette option, c'est-à-dire d'avoir sur chaque plateau un arbitre, parce que ça permet quand même de revenir aux fondamentaux au niveau du comportement. Je suis un peu peut-être raide là-dessus, mais j'estime que quand on vient jouer aux boules, ça n'est pas simplement pour faire des histoires, mais simplement pour développer le jeu de boules et montrer ce qu'on sait faire avec des boules. Voilà. Donc Alain, je te remercie d'être présent. L'équipe de Eridia Sébastien, Maï Michael et Maï Briand. Voilà, je remercie parce que j'apprécie aussi leur comportement, on les entend pas sur un jeu et ça c'est appréciable. Ensuite il y a l'autre équipe, Malatesta Joël, qui nous a montré déjà sa technique au niveau du tir. Je pense qu'il continuera à le faire en finale. Hubert Jérémy et Baptiste André. Voilà. Je tiens à vous remercier donc aussi bien donc le comité et bien sûr les joueurs parce que ça nous permet d'avoir aujourd'hui une finale que vous allez peut-être apprécier dans la mesure où ils vont montrer tout leur talent. Mais d'abord un mot de donc celui qui représente le comité. Bon, ben, je comprends que Jean-Michel soit un peu ému à l'issue de ce national, de ce troisième national qui, pour moi, est une réussite. Donc, effectivement, je représente le comité du Gard, mais j'étais également délégué. Et donc, je dois remercier la Boule des Essais, son président, ainsi que toute l'équipe de bénévoles, parce que sans eux, rien ne pourrait se faire, on le sait très bien. Je remercie le corps arbitral, qui a très très bien manœuvrer tout au long de ces deux jours. Donc, et je félicite en même temps tous les joueurs qui ont participé parce qu'on n'a eu que des félicitations à la table. Donc merci à vous. J'espère qu'on va avoir une belle finale ce soir. Donc que le meilleur gagne. Vous savez que le président de la Boule des Essais nous a invités gracieusement l'année prochaine. Donc soyez au rendez-vous l'année prochaine et merci pour une belle finale. Voilà, merci à vous.
Allez, papa. C'est abusé la caméra.
Thank you.
Allez, ben essaye. Bravo Jérémy. À qui est celle-là? Il faut peut-être être là-bas. Faut le regarder. Il y en a deux sur. Ouais. Faut le regarder, moi je ne vois pas. Tiens, Jojo. Alors, 3 de plus, 6, 5. Pour Joël Malatesta. Bravo Dédé. Bravo Dédé. Ah, ok.
Allez, papa. Bravo. Allez, fais un peu de place. Allez, petit. Allez, petit. Allez, petit. Allez, petit. Allez, petit. Ah, va ser, va. Allez, gordo. Je sais pas où je vais aller, t'as donné devant. C'est comme tu frappes, t'es vite fait d'être à la rue. Ah, j'ai rien. Ah, vieux. Ah, c'est marqué. Ah, j'ai rien. Bravo, bien. Bien, bien. Le score de Allez, papa, encore. Allez, on va y aller.
Allez. Allez, petit, là. Mon petit bébé,
Bravo, Olivier.
Des blasons qui commencent à être reconnus non seulement donc au niveau du comité mais au niveau de la fédération. Féliciter les vainqueurs puisqu'on va leur remettre le trophée. Merci. Et puis remercier la boule lucienne pour tout le travail que vous accomplissez. Et c'est pas votre premier national, c'est votre combien aujourd'hui, c'est le troisième national. On espère bien que ce ne sera pas le dernier. En tout cas, félicitations pour toute l'organisation et félicitations à tous les membres. Tous les membres de la boule lucienne qui se sont beaucoup donnés depuis une semaine. Voilà, bravo, merci et félicitations encore, vainqueur. L'amitié qu'il est là, mais en même temps aussi pour représenter le comité. Et c'est toute l'amitié que nous avons liée depuis quelque temps, tous les deux, qui nous permet de maintenant gérer au mieux le national de la ville d'Uzès. Messieurs, à qui je la ramène? Qui c'est qui va la prendre? Excusez-moi. Voilà. Ils sont assez à maintenant, je crois que vous étiez à Pécard. Impeccable. Merci. 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 Bien joué. Et ça m'a fait plaisir. Bravo. Et les lunettes droites et tout. Sans moi. Merci. Bravo, on va y voir la pérégrine. Et l'année prochaine. Et l'année prochaine, si vous ne voulez pas avoir un croquet, vous êtes inscrit d'office. Vous êtes inscrit d'office. D'accord. Ok, voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Bravo les gars. L'année prochaine. Jean-Michel, donc c'est pour ça que vous avez la réception. Oui, oui, oui. Oui, on s'en fout. Mais il faudrait mettre une table pour le collectif. En 2017 et feu. Ah, 2018. Ben oui. 2018 est maintenant fini avec plaisir et parce que nous avons bien répondu à ce que nous avions espéré, c'est-à-dire les 160 équipes, puisque nous les avons dépassées. Merci. Allez. Et donc j'espère qu'en 2019 sera encore meilleur et que nous aurons un plateau encore aussi relevé, si ce n'est mieux, avec bien sûr 200 équipes au niveau. Et aussi la même sympathie, la même ambiance. Ah mais la convivialité, l'ambiance chez nous fait partie de ça. Donc voilà, donc on cultive ça. On espère que justement ça soit communicatif au niveau de toute la ville d'Uzès et de toutes les associations de manière à échanger. Et dans tout
grand plaisir. Dans tous les terrains de sport, sur tous les et sur tous les terrains de sport de boule. Merci. Thank you.